Bonjour et excusez-moi pour ce léger retard. Michel, bonjour. Victoria, bonjour. Kittle, bonjour. Cosmina Bellou, bonjour. Isobel, bonjour. Sinsitu, bonjour. I just called, bonjour. Lorcy, bonjour. Julia, bonjour. Non, pas de vélo. Le vélo, c'est après. C'est pas le vélo. Oupouli, bonjour. Michel Rémy, bonjour. Sonou Valar, bonjour. Elena Bouti, bonjour. Kounsel, bonjour. Et Batoul, bonjour. Bah, écoutez, je pense qu'on peut commencer notre cours maintenant, si vous voulez regarder. On va commencer, comme d'habitude, avec à vous la parole. Et ce sera cette petite phrase que vous devrez m'écrire, s'il vous plaît, normalement, le vendredi, j'aime bien faire. Je vous donne une minute, s'il vous plaît. Alors, Bickert nous rejoint, bonjour, bonjour. Save the Best nous rejoint, bonjour aussi, avec une belle fleur, c'est toujours sympathique une fleur. Alors, Kunsel, idéalement, il faut faire des phrases. Dormir, d'accord, ben, vous aimez dormir, hein. Alors, Isobel nous dit, normalement, le vendredi, j'aime bien me détendre en faisant un masque et un bain chaud. Parfaitement écrit, comme d'habitude. Ning, qui nous dit, normalement, le vendredi, j'aime bien faire du vélo dans la campagne. Ouais, faites attention, c'est DANS, dans. D'accord. Ensuite, Oupouli demande comment ça va. Ça va bien, Oupouli et vous. Ice Cubes, bonjour, s'il vous plaît. Lorsi qui dit, je finis le travail à 15h. Ah, le vendredi. Très bien. Alors, j'attends la suite de vos phrases. Alors, Kittel nous fait quelque chose d'assez long. Faites attention, Kittel, normalement avec un L. Hein. Normalement, le vendredi, j'aime bien faire une promenade avec un AAA, promenade, à la fin de l'après-midi, après avec un S. Et prendre du café au restaurant ouvert dans la rue. Et pour le soir, pas de E. Asseoir, quittons, SOIR, aller avec les amis. Ouais, faites attention, la préposition c'est en boîte, d'accord? En boîte, aller avec les amis en boîte. Très bien. Cosmina Bellou, pour moi, vendredi est un jour comme les autres de la semaine. Je suis heureuse que j'ai le temps pour participer au cours de français. Ouais. Alors faites attention, ici, vous allez dire, je suis heureuse d'avoir le temps. Hein, parce que faites attention avec cette histoire de subjonctif. Vous n'allez pas mettre le subjonctif quand le sujet est le même. Si le sujet est le même, comme là, je suis et j'ai, en fait, vous allez juste mettre un infinitif. Donc, structure différente. Je suis heureuse de avoir. Et donc, le E, apostrophe. Je suis heureuse d'avoir le temps.
Victoria, bonjour Victoria. Normalement, le vendredi, j'aime bien faire en ce moment comme un autre jour. Tous sont égaux. Mais Victoria, j'ai vu aux actualités que Madrid, ça va bien maintenant, que les gens vont à l'extérieur et la situation est meilleure à Madrid. Donc peut-être vous pouvez sortir un peu. Ensuite, Kunsel, je veux dormir le vendredi. Julia, normalement le vendredi, j'aime bien faire la fête de la fin de semaine et expire. Expirer, vous voulez dire, ou respirer peut-être. Sincitu, normalement le vendredi, j'aime bien faire des cuisines végétariennes, végétariennes avec un S, si vous mettez des cuisines, parce que je vais au temple et il faut manger de la viande. Ah non, il ne faut pas, excusez-moi, il ne faut pas manger de viande. Alors, Ice Cubes, normalement le vendredi, j'aime bien faire une dégustation avec mes amis après le travail. Cosmina Bellou, bah écoutez, je vous en prie pour les explications. Michel, normalement le vendredi, j'aime finir de coudre des masques que j'avais promis. Faites attention, masque c'est masculin, donc c'est promis de faire pour la maison de retraite pour la semaine prochaine. Très bien, Michel, et merci beaucoup pour votre phrase. Allez, nous allons continuer, si vous voulez bien, et j'aimerais que vous me fassiez la description de cette photo. Bizarrement, mon texte n'apparaît pas. Une phrase pour décrire la photo. Merci. Alors, KL nous dit, normalement, le vendredi, j'aime bien dormir tard. Très très bien écrit, pas d'erreur. Ah, Michel Rémy qui nous dit, normalement, le vendredi, j'aime bien faire le, Michel, le ménage. Alors, deux options, Michel. Vous dites chez moi, d'accord? Donc chez, et puis après moi, hein, donc. Le pronom tonique, ou alors vous dites dans ma maison. Maison féminin, ma mama, et la préposition dans. Donc deux options. J'aime bien faire le ménage chez moi ou j'aime bien faire le ménage dans ma maison. Alors, très bien, une nouvelle personne. Alors, attendez, Akeu Kereke nous dit, normalement, le vendredi, j'aime bien faire une soirée avec mes amis. Très bien. Alors, Ice Cubes qui nous dit, peut-être une image de karaoké party ou un anniversaire de la fille qui chante. Qui, hein, ici, c'est le sujet du verbe chanter. La fille qui chante. Très bien, Sinsitu, une belle femme chante. Une belle chanson. Eh bien, ça, c'est formidable. Isobel, les amis passent un bon moment ensemble en dansant et en chantant. Magnifique Gérondif. Merci beaucoup, Isobel. Batoul, normalement, le vendredi, j'aime rester à la maison. Le matin et l'après-midi, j'aime faire de la randonnée dans la nature. Très bien, merci, Batoul. Alors, la description de la photo. Lorsi, personne, ouais, faut mettre un article, Lorsi, des personnes ou les personnes célébrant une fête d'anniversaire. Alors, Victoria, il se passe choupi dans la fête de karaoké. Qu'est-ce que c'est, choupi? Qu'est-ce que c'est, choupi? Je ne sais pas ce que c'est, Victoria. Alors, ensuite, Bickert, je vois une maison, une femme change.
ou chante la chanson, c'était chanter, hein, probablement. Ils applaudissent son ami, peut-être qu'ils font la fête, ils font la fête. Kittle nous dit, quelques amis, faites une occasion spéciale. Kittle, spécial avec un E, parce que occasion, c'est féminin, et l'adjectif au féminin. Alors, et là, on va utiliser le gérondif en chantant et en dansant ensemble. En chantant, E-N, et après chantant, Chantant. Donc, ANT, hein, c'est la terminaison que vous allez mettre pour chantant et dansant. Ils sourient tous et rient de bonheur, et le sens principal de la scène. D'accord? Sens, il n'y a pas de E. Michel Rémy, sur cette photo, les gens ici sont très heureux, ils font la fête et dansent. Très bien écrit. Fatima, bonjour Fatima, vous pouvez participer au cours. Cosmina Bellou, la fille chante aussi bien que les autres ne savent pas quoi faire, qu'elle puisse se taire. Ah, vous pensez que les autres sont embarrassés parce qu'elle chante bien? Alors, une femme chante une chanson pour Vincent entre amis. Qu'est-ce que ce serait comme chanson, Julia? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ning, il y a des femmes qui dansent et chantent avec deux hommes. Ouais. Il faudra conjuguer les verbes, Ning. Okay? Danser, vous conjuguez, donc qui danse, Dansent, et qui chante, Ent à la fin aussi. Kunsel, ils ont fait une partie d'anniversaire, une fête d'anniversaire, ou je ne sais pas, mais ils ont chanté. Il faut vraiment conjuguer les verbes, hein, Kunsel. Boire les boissons et jeu avec le ballon. Ouais. Kunsel, il faut conjuguer les verbes. Berilla, c'est vendredi au bureau. Ils boivent du café et gonflent des ballons. Ils chantent un karaoké. Berilla, attention, ils chantent. Regardez votre verbe chante. Vous devez conjuguer à la troisième personne du pluriel. Chantent. ENT, d'accord, il, elle. Fatima nous dit des personnes célèbrent la fête. Oui, Fatima, l'expression c'est faire la fête, d'accord, faire la fête. Donc les personnes font la fête. Michel, cinq personnes font la fête le jour où ils peuvent recommencer à travailler normalement. Eh bien oui, probablement, ça va arriver bientôt pour beaucoup de personnes. I Just Called nous dit, il y a des amis qui célèbrent, ils chantent et dansent, ils passent des moments heureux. D'accord? Célébrer, comme j'ai expliqué, l'expression c'est faire la fête. Hein. Célébrer, c'est très 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 formel. Attention. Daria, bonjour, bonjour Daria. Je vois les jeunes gens qui passent du bon temps ensemble en chantant et s'amusant. C'est parfait. Et Fatima, sur cette photo, je vois trois filles et deux garçons qui dansent et qui chantent. D'accord, très bien. Julia, vous n'avez pas dit quelle chanson les personnes pourraient chanter. Hein, ça pourrait être intéressant. Donnez-moi un titre, s'il vous plaît. Alors maintenant, c'est un exercice qui est assez ouvert. Je vais vous donner une phrase comme celle-ci en anglais, et vous essayez de me traduire cette phrase et de m'écrire la phrase en français. Merci beaucoup. Ah, KL nous dit, les gens sont dans une soirée karaoké. Priyanka nous dit, des amis sont très heureux de passer du bon temps ensemble, ils chantent et ils dansent. Merci. Maintenant, c'est l'exercice de traduction. Alors, regardons vos versions. Moi, je vous propose, je reste calme. Isobel nous propose, je reste tranquille, c'est tout à fait acceptable.
Cosmina, je reste calme. Je reste calme aussi pour Michel, Sin City, Berilla, Ice Cubes. Malena, je reste tranquille, pas de problème. Donc pour le moment, tout est clair, je pense. Les gens sont assez calmes. Le rythme est doux. Alors le verbe rester, tout le monde l'a bien conjugué. Donc, Julia, and I try, and I try, and I try, qui est une chanson très difficile à trouver. Je suis calme, très bien, et c'est parfait. On regarde la phrase suivante, s'il vous plaît. Alors ici, comme d'habitude, hein, on a les deux options, soit c'est tu, soit c'est vous. Isobel nous dit tu as soif, c'est-à-dire que vous gardez l'ordre, d'accord. As-tu soif est tout à fait correct. Avez-vous soif, c'est tout à fait correct aussi. Michel nous dit as-tu soif, Daria, as-tu soif. Alors idéalement, Daria, un petit trait d'union. I just called, faites attention, le verbe c'est avoir, avoir soif. Kunsel, c'est pareil, hein, c'est avoir soif. Ça c'est une erreur assez classique. Julia nous dit est-ce que tu as soif? Et c'est parfait aussi, on peut utiliser le est-ce que. Alors regardez, Kittle, ça n'est pas avec être, Kittle c'est avec avoir. Ning, pareil. Avoir et pas être. Akeu kereke, c'est avoir. Hein. As-tu soif et pas être. Donc faites attention. Save the best. Avez-vous soif? C'est parfait. Donc tout le monde, bon, a bien. Faites attention. Lorsi, avez-vous assoiffé? Non. On va utiliser en français avoir et puis après on utilise le substantif soif. Hein. As-tu soif? Avez-vous soif? Tu as soif? Vous avez soif? Est-ce que tu as soif? Est-ce que vous avez soif? Tout ça, c'était tout à fait acceptable. Regardons la phrase suivante. C'est Julia qui est la première, alors pas de problème pour lui. Oui, c'est tout à fait correct. Isobel qui utilise aussi, pas de problème. Berilla, ne problème pour lui. Non, c'est pas possible. Pas de problème pour lui. Oui, personnellement, j'avais mis aucun. C'est une autre option. Personne ne propose aucun, mais pas de problème. Hein. C'est important. On utilise la structure comme ça. Ice cubes, rien problème, non. Non, non, non. L'idée du rien, c'est pas possible de le combiner avec un mot comme ça. Je n'ai rien, mais on ne peut pas dire je n'ai rien de problème. C'est je n'ai aucun problème. Donc les autres, c'est bien. Pas de problème, pas de problème. Oui, tout le monde a choisi le pas de problème. Hein, aucun, c'était une possibilité. D'accord? Et regardez, quand on utilise aucun.
On ne va pas utiliser le pas, d'accord? Berilla, aucun problème pour lui, ben c'est gentil. Merci beaucoup. Regardons la phrase suivante. Alors, je regarde puisque Isobel commence. Alors, Isobel, vous nous proposez une phrase, ce manteau n'est pas le mien. Alors, la structure est parfaite, vous utilisez le pronom le mien, c'est bien. Disons que c'est un petit peu différent au niveau de la traduction. Après, on pourrait discuter, Isobel, mais l'idée plutôt ici, c'est pour moi. Mais bon, en tout cas, votre structure était très bonne. Faites attention, Yulia, c'était le mien, parce que manteau c'est masculin. Donc, bon, les autres apparemment restent. Faites attention, Kunsel c'est masculin, ce manteau. Kael, c'est bien, ce manteau n'est pas pour moi. Sinsitu, c'est pas vraiment une veste, c'est plutôt un manteau. Hein. Ce manteau, ah, Sinsitu a effacé sa phrase. Michel, ce manteau n'est pas pour moi, c'est bien. Je regarde. Ouais, ici c'était plutôt manteau. Sinsitu, il y a un verbe hein, qui, enfin un verbe, un mot qui existe et qui est veste, mais c'est féminin. Un hein. Cette veste et c'est VESTE. Et c'est pas vraiment vraiment la même chose qu'un manteau, d'accord? Mais bon. Donc après la structure était bonne. Batoul, faites attention parce que c'était pas pour lui, mais c'était vraiment pour moi. Ce manteau n'est pas pour moi, d'accord? Regardons la phrase suivante. Voilà, alors là, l'idée c'est qu'on était à la recherche d'un verbe hein, qui est le verbe s'entendre. S'entendre, effectivement, c'est ça la traduction, hein, to get along. Donc, je m'entends avec lui. Isobel nous a rajouté bien et c'est parfait. Hein. Je m'entends bien avec lui, je m'entends avec lui. Ashley, c'est un petit peu bizarre ce que vous avez écrit. Kunsel, je suis avec lui, pas, non, pas vraiment. Julia, je suis d'accord avec lui. Ça dépend du contexte, mais dans un certain contexte, on pourrait considérer que oui. Ashley, faites attention, c'est vraiment la forme s'entendre, la forme pronominale hein, pour exprimer ce concept-là. Donc, je m'entends bien avec lui. Nous nous entendons bien ensemble, pour le pluriel par exemple. Alors, Kittle, non, c'est pas vraiment ça. Michel, je m'entends avec lui, d'accord. Ensuite, Cosmina, ouais, c'est bien aussi. German, j'attends avec toi, pas vraiment ici. German, c'est plutôt je m'entends bien avec, et ici c'était la troisième personne, lui, hein, c'est le masculin. Je regarde ensuite Berilla, je m'entends bien avec lui, d'accord. KL, je m'entends bien avec lui. Très bien. Bella, faites attention, c'est pas je suis seul, non, hein, c'est vraiment
s'entendre, avoir une bonne relation avec quelqu'un. Victoria, c'est bien. Victoria, c'est bien. Ice Cubes, faites attention. C'est pas j'entends bien, c'est je m'entends bien. D'accord, hein, la forme pronominale pour exprimer cette notion d'avoir une bonne relation avec une personne. Allez, on continue avec la prochaine phrase. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Julia qui est la première et qui dit c'est ma faute. C'est ma faute, oui. Alors, si vous mettez faute avec un E à la fin, hein, et donc là, ce serait parfait. Isobel qui dit c'est mon erreur. Oui, c'était un petit peu ce que j'avais mis. Cosmina, c'est pour moi. Oui, ça dépend du contexte, hein, c'est toujours pareil. Faites attention, Kounsel, c'est, vous allez l'écrire, c'est apostrophe EST. Et faute, c'est féminin, donc ma, faute. Ensuite, mon erreur, donc j'accepte ma faute, j'accepte pour Michel. Kittle, c'est ma faute aussi, c'est bien. Mouche, mouche, faites attention, c'est mon erreur, hein, parce que même si erreur, c'est féminin, mais ça commence avec une voyelle. Et souvenez-vous, quand les mots sont féminins, commencent avec une voyelle, on va mettre les adjectifs possessifs masculins. Mon ami, mon erreur, d'accord? Donc c'est ma faute, c'est mon erreur, nous dit German, c'est bien. Flory, non, c'est pas mon faux. Hein, soit c'est ma faute, hein, donc le substantif, ou alors c'est mon erreur. Victoria, c'est une erreur. Ici, on voulait avoir le. Oh, excusez-moi, oui, c'était pas. Il y a une faute dans. Regardez, je suis désolé. Merci. Isobel avait corrigé. Oui, c'était avec un M. Donc c'était mon erreur. Très bien. La question n'est pas une blague, c'était une erreur de ma part, Ashley. Je ne suis pas une machine, je suis un homme. Allez, on regarde la suivante. Regardez, ça c'est la phrase suivante. Alors, Julia nous dit, il faut que je juste dire ça. Ouais. Alors, ce serait correct. Regardez, ce que vous allez faire, Julia, vous allez conjuguer le verbe dire et vous allez le conjuguer pour la première personne. Donc, je dise. Et ici, en plus, c'est le subjonctif. Donc, il faut que je dise juste ça. Ça pourrait aller. Je ne dois que le dire, nous dit Isobel. Ouais, c'est un petit peu lourd comme structure, mais ce serait acceptable. Grammaticalement, c'est acceptable. C'est un petit peu lourd quand même. Julia qui proposait, il faut le dire. Il faut le dire. Oui, ce serait possible aussi, c'est-à-dire que cette notion impersonnelle.
On pourrait aussi dire il me faut le dire, hein, si vous voulez utiliser falloir, ce serait une autre possibilité. Alors Priyanka, je dois seulement le dire, oui, ça ce serait tout à fait possible aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je dois juste le dire. Kital, je dois juste, hein, c'est un adverbe, donc vous mettez après le verbe. Je dois juste le dire. Alors, Christ in me, je dois seulement le dire. Oui, c'est possible aussi, pas de problème. Michel utilise une autre structure intéressante. Je n'ai qu'à le dire. Et c'est tout à fait correct aussi. Oui, pas de problème. Je dois juste le dire. Oui, c'est bien. Michel, je n'ai qu'à le dire. Ice Cubes, attention. Je dois. Et après, vous mettez juste après votre verbe et un T après votre S. STE. Sin situ, je dois que dire. Je ne dois que le dire. Un peu lourd, mais ce serait possible. Je ne dois que le dire. I just called, je dois seulement. Seulement, c'est un verbe après votre verbe devoir. Je dois seulement le dire. Bah écoutez, voilà, ça c'était pas mal, hein. Ensuite, quelle est. Ah, alors, Julia, quelle est la différence entre il faut et il me faut? Oui, il faut partir. Imaginez la situation, Julia. Nous sommes tous dans la même salle, dans la même pièce, et je dis il faut partir. C'est une forme impersonnelle, c'est pour tout le monde. Si vous voulez dire il faut que je parte, ça, vous dites que c'est pour moi. Mais dans ce cas-là, vous êtes obligé d'utiliser un subjonctif. Si vous ne voulez pas utiliser un subjonctif, vous allez dire il me faut partir. Vous mettez votre infinitif, c'est la même chose que il faut que je parte. D'accord? Mais vous mettez juste le pronom avant le verbe falloir. Voilà. Alors, regardons la structure ici. Donc, le verbe, bon, moi j'attendais adorer. Julia utilise aimer. Cosmina utilise aimer. Bon, c'est possible. Alors, attention par contre pour la structure, parce que c'est ça qui est assez important. La première chose, c'est comme on utilise plus, idéalement, hein, on utilise plus. Donc, on ne va pas utiliser pas. On va utiliser ne. Le verbe est plus. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Imaginons, je n'adore plus. Donc ça, c'est clair. Maintenant, on a le pronom. Le pronom, c'est là. C'est le pronom complément d'objet direct. Le pronom complément d'objet direct est toujours avant le verbe. Je ne la adore plus. Et comme d'habitude, a, ça pose un problème. Donc, le a de votre pronom complément d'objet direct disparaît et vous mettez l'apostrophe. Je ne l'adore plus. Et voilà notre phrase. Donc, je ne l'adore plus, ça va. Je ne l'aime plus, ça va. Mais toutes les personnes qui ont utilisé pas plus, malheureusement, ce n'est pas possible.
Alors, ici, on aura plusieurs options aussi. Regardons ce que vous m'écrivez. Isobel, alors je me suis senti obligé de le faire. Bon, vous avez décidé de le mettre au passé. Ici, c'était du présent. On est d'accord? Donc, je me sens obligé de le faire. Comme nous propose Cosmina Bellou, ça, je préférerais que ce soit au présent, hein, mais la structure était bonne. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, moi, j'ai mis je me crois obligé, hein, c'est une autre option. Qu'est-ce que vous me proposez d'autre? Daria, je me sens obligé. Berilla, je me sens obligé. Julia, je pense que je dois le faire. Oui, ça, c'est possible. Je pense qu'il faut le faire, d'accord? C'est pas la traduction directe, directe, mais c'est correct. Vous avez gardé le sens. Michel, je me sens obligé, c'est bon. Nata Glory, salut. Bonjour Nata Glory, participez au cours. KL, je me sens obligé de le faire, c'est très bien. Christ in me, je me sens obligé de le faire, ok. Ice Cubes, je me sens obligé de le faire. Mais écoutez, tout le monde le fait. Regardez hein, ma version, c'est une autre option. Je me crois obligé de le faire, ce serait une option. Alors, Julia qui pense que je me crois obligé n'est pas joli. C'est une phrase standard ou vraiment utilisée, c'est juste pour la grammaire. Non, c'est pas pour la grammaire. C'est quelque chose que vous pouvez entendre. Je me sens, je me crois obligé de le faire. C'est tout à fait possible. C'est une deuxième option. Allez, on va continuer avec chercher le mot. Vous connaissez l'exercice, on est toujours dans les phrases. Je vous donne une petite seconde. Bon, là, logiquement, c'est pas très difficile. Ashley premier, Isobel en deuxième. Là, on sent que la compétition va reprendre. J'avais une famille. Là, c'était assez clair. Je regarde toujours ce que vous écrivez. Non, c'est bon pour l'instant. Famille, c'est féminin. Nous sommes d'accord. Pas de problème. On continue. Alors là, regardons, parce que ça va être intéressant. Là, on aura plusieurs options, hein, comme d'habitude. Enfin, pas comme toujours, mais parfois. Isobel qui nous propose que... Ouais, faites attention, Isobel. Cette notion de restriction, quand on utilise que, on combine que avec ne. Souvenez-vous, je ne voulais que lui parler. Là, je dirais d'accord. Mais... Il n'y a pas le ne ici, hein. Donc ça sonne un petit peu bizarre. Donc deux possibilités, sinon j'ai le juste, pas de problème, hein, effectivement. Simplement, ce serait une deuxième option. Alors, avec Isobel, ce qu'elle avait proposé, un ne que, ça je pourrais l'accepter. Mais vraiment, vraiment avec le ne quand même, hein. Très bien, on continue. Thank you.
Voilà. Alors, ici, Isobel a bien compris. Donc, félicitations. Julia, ça ne va pas me faire mal. C'est parfaitement structuré avec le bon mot qui manquait. Faites attention, Priyanka, c'est pas vœu ici. Hein, c'était vraiment le verbe aller. Hein, ici, c'est du futur finalement. Donc, c'est va. Fatima, c'est pas vraiment doit. Hein, c'est plutôt cette notion de futur. Ashley était perplexe et on ne sait pas. Isobel veut savoir pourquoi Ashley est perplexe. Et c'est une bonne question, Isobel, parce qu'on ne sait pas pourquoi il est perplexe. Michel Rémy qui nous dit veut. Pas vraiment, Michel Rémy. C'était ici, c'était le futur hein, qu'on voulait avoir. Alors faites attention, Christ in me, ça ne me fera. Ben non, parce que vous avez déjà le verbe faire, hein, Christ in me, dans la phrase. Donc il fallait juste ajouter ici va. Comme ça, qui tourne? Non, c'est pas le passé ici, hein, c'est le futur qui tourne. Allez, on continue avec cette phrase-là. Alors en général, on utilise plutôt ici l'article défini les. Hein, je garde les idées claires. Bon, Isobel va sur des idées claires. Ça fait un petit peu bizarre. On comprendrait, mais vous avez corrigé avec les. Julia, c'est pareil. On utiliserait plutôt les idées claires. Une expression, hein, je garde les idées claires. On utilise aussi pas trop mes idées claires. C'est comme ça. C'est l'expression qui veut ça. Idée, non, c'est les idées que vous avez dans la tête, Julia. Donc ici, ce serait vraiment les. Ça, c'est une expression, donc il faut juste s'en souvenir. Maria K qui nous propose mais, non, ici, c'était vraiment les. Christ in me, la tête. Non, 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 ici, c'est vraiment tout simplement l'article. Hein, l'article les. Regardons la suivante. Voilà, donc Julia et Isobel sont les premières. Et donc là, on était à la recherche, oui, d'une préposition. Ashley, juste après, la préposition, c'est de. Hein, être heureux de. Et donc ici, j'étais heureux de l'avoir. Alors, je regarde vos réponses. Madeleine, c'est bien. Christian, c'est bien. Daria, c'est parfait. Kittle, c'est bien. Joseph, attention, c'est de. Sérène, c'est bien. Cosmina, Bellou, c'est bien. Notebook, French language, online classes. C'est un long nom, hein, de. Bah oui, avec un nom comme ça, vous êtes obligé d'avoir la bonne réponse. Michel Rémy, de, c'est bien. Alors attention, Fatima, vous êtes. Oui, vous êtes. On n'est pas synchronisé, Fatima. Rafraîchissez. Bickert, c'était pas A, mais c'était de. Hein. Être heureux de. Michel, c'est bon. KL, c'est bien. Sincitu, c'est bien. Florie, attention, c'est pas pour, mais c'est vraiment de. Batoul, même chose. Lorsi, c'est pas que, mais c'est de. Mouche-mouche, c'est bien. Et Victoria, c'est bien. Bah, écoutez, pas de problème. On continue avec la phrase suivante. Allez-y.
Voilà, donc le duo habituel de la matinée, Isobel et Yulia, qui nous proposent comme, et c'est très très bien. Et là, vous regardez, hein, c'est quand même une drôle de phrase parce qu'on a deux fois ça. C'est juste pour vous montrer que c'est possible. Hein. Faites ça comme ça. Voilà, donc on est sur comme. Là, je regarde vos réponses. Ça a l'air d'être à peu près clair. Donc on va passer rapidement à la phrase suivante. Alors là, techniquement, Cosmina Bellou, j'aurais bien aimé quand même le plus. Hein. Isobel nous l'a donné en premier, comme d'habitude. Cosmina Lika, c'est pareil. Ouais, j'attendais vraiment ici le plus, donc la négation absolue, ne plus. Là, ça aurait été vraiment, vraiment idéal. Hein. Souvenez-vous, on utilise ne d'abord, après on met notre verbe. Et puis, on met plus juste après. Donc, je n'ai plus confiance en elle. D'accord? Bon, pour les autres, alors c'est variable. Il y a des personnes qui ont mis pas, d'autres qui ont mis plus. Idéalement, là, vraiment, vraiment, j'aurais bien, bien aimé, plus. Regardons la suivante. Alors, ici, nous sommes d'accord que on a deux possibilités. Hein. On aura soit le masculin, qui va être la version basique, SEUL, celle que j'ai notée, et puis on a la possibilité, comme Priyanka nous a noté, de mettre le féminin avec un E final. Alors, Daria aussi nous propose les deux versions. C'est bien. Quittons solitaire, c'est un petit peu différent. Solitaire, c'est vraiment dans la nature, dans la personnalité. Hein, quelqu'un qui est solitaire, c'est quelqu'un qui aime être seul. D'accord? Ici, je suis seul, c'est juste la réalité. Hein, c'est une constatation, des faits. D'accord? Continuons. Alors Isobel, pour répondre à votre question, en fait, on pourrait dire qu'il y a la différence entre être seul, où là c'est tout simplement une constatation, hein, comme j'ai dit, je suis seul, ben je ne suis pas avec quelqu'un. Et après, vous pouvez utiliser la structure se sentir seul. Je me sens seul. Je peux être dans une pièce avec beaucoup de monde, mais je me sens seul, c'est j'ai le sentiment personnel d'être seul. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Alors, ici, nous étions à la recherche du mot imprimé. Alors, idéalement, imprimé avec un accent aigu à la fin. Imprimé. Bon, la plupart d'entre vous, vous l'avez bien écrit. Kittle, ce ne serait pas vraiment affiché. Affiché, c'est vraiment autre chose. Ici, c'est imprimé, hein. Donc, là, je crois que la majorité, c'était OK. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Isobel dit content, c'est bien. Cosmina Bellou, content aussi, oui. Heureux, nous dit Christian B. Heureux, nous dit Julia. Content. Donc on est d'accord que pour l'instant, j'accepte les deux. On peut les mettre, bien sûr, au féminin aussi. Donc contente, comme nous dit Ice Cube, merci. Ou heureuse, comme nous dit Michel Rémy. Donc ça, c'est parfait. Joseph, pas vraiment plaisir, parce que ici plaisir c'est un substantif, donc ce serait un peu bizarre. Finzark est là, oh, j'avais pas vu, et donc Finzark nous met la bonne réponse aussi au féminin, heureuse, c'est très très bien, merci beaucoup. Ensuite, Fatima nous met les deux, heureux ou heureuse, très bien, personne d'autre. Ravi, voilà, j'attendais. Alors merci beaucoup, Neharika. Ravi, oui. Ça, ce serait aussi une autre option. Je serais ravi de vous voir. Alors Neharika, vous avez mis le masculin, Ravi. C'est très bien. On peut mettre aussi le féminin avec le E à la fin, d'accord? Michel nous dit content, c'est bien aussi. Heureux, parfait. Tout le monde était à peu près clair là-dessus. Alors regardez, regardez. Alors voilà, là c'est pas facile parce que là aussi c'est une expression. Et l'expression, Isabelle, elle la connaît apparemment, c'est revenir sur quelque chose. Ces histoires de prépositions, par exemple ici, il n'y a pas une logique universelle, hein, c'est clair, c'est juste la préposition sur. Joseph l'avait, Michel Rémy l'avait aussi. Alors, revenir à ma décision, ce serait logique. Hein. Là, il y a une logique. Malheureusement, on utilise sur et on n'utilise pas à. Vous êtes tous logiques, mais pas les Français. Je suis désolé. Donc, c'était revenir sur ma décision. Je reviens sur ma décision. Mais c'est bien parce que comme ça, vous apprenez. Des nouvelles expressions, même si malheureusement pour vous, le choix de la préposition n'est pas toujours, toujours très logique. Je vous propose une petite chose, si vous voulez. Comme je suis en forme, comme j'ai préparé beaucoup de choses, je vais prendre une petite pause de 5 minutes. Donc je vais arrêter, le live maintenant.
Et dans 5 minutes, après mon café, on pourra recommencer. Si vous voulez continuer, eh bien, écoutez, avec plaisir, on pourra continuer ensemble. Sinon, bah, écoutez, on continue. Il y a le cours Zoom qui est à 4 heures. Attendez, je vais vous mettre ça ici. Regardez, donc le cours est à 4 heures, le cours Zoom, et à 5 heures, on fait les exercices en direct comme là. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, si vous voulez, dans 5 minutes, on va continuer. L'animal a disparu. Il n'est plus là, l'animal. Voilà. Donc rendez-vous dans 5 minutes et merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment très, très sympa.